2019, depuis que le président de la République a bien voulu signer depuis le 3 août 2016, il faut le rappeler. Statut dans lequel nous avons des avantages qui sont accordés. Donc ce sont ces avantages que nous réclamons aujourd'hui. Et quels sont ces avantages-là? Ces avantages sont liés aux primes de fonction, aux primes de transport, de logement et surtout les primes d'audience. Okay. Vous étiez hier à la primature, quelle a été la suite? À la primature, ils nous ont invités à suspendre le mot d'ordre de grève, mais nous avons posé la condition d'avoir au moins un protocole d'accord signé par le ministre. Arrivé au département, le ministre n'a pas voulu faire le protocole. Donc c'est ce qui a fait que, puisque nous n'avons pas eu de garantie suffisante pour lever le mot d'ordre, c'est pourquoi on a continué, sinon ce n'était pas de notre volonté seulement d'aller en grève. Mais il faut qu'on ait quelque chose qui garantit nos intérêts, puisque par le passé, il y a eu des promesses verbales qui n'ont jamais été tenues. De nos jours, est-ce qu'il y a des tribunaux qui ne fonctionnent pas aujourd'hui suite à cette grève? Aujourd'hui, à Conakry, nous sommes informés que tous les tribunaux de première instance ne fonctionnent pas. Et en province aussi, dans beaucoup de préfectures et de régions, les tribunaux restent fermés. Donc, au cours de la réunion, vous avez parlé de montant de 5 milliards. Pendant le temps que l'autorité voudra, parce que c'est quand on va obtenir gain de cause. Oui, vous avez parlé de montant de 5 milliards tout à l'heure pendant votre réunion. Qu'en est-il réellement? Où sont passés ces 5 milliards? Bon, ce n'est pas à nous de dire où sont passés, mais nous avons constaté un écart dans le traitement au niveau de la loi de finances, dans la rubrique rémunération et salaire des fonctionnaires du ministère de la Justice. Donc pour le moment, vous n'êtes pas prêt à lever la grève tant que les revendications ne sont pas satisfaites? Non. Okay. Souvent, les grèves commencent et puis on sait que ça ne peut pas se terminer. Il y a d'autres qui vont boycotter. Quelles sont vos craintes? Non, mais vous-même, vous avez vu ici l'engouement, la détermination de tous les greffiers. Nous avons le soutien aujourd'hui de tous les greffiers sur l'ensemble du territoire national. Certes, il y en a certains à cause de leur position qui ne nous accompagnent pas, mais ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est que la plupart des greffiers aujourd'hui soutiennent l'homme. Puisque quand même, il s'agit d'un intérêt. Quand il y aura cet intérêt, ce n'est pas pour X ou Y, c'est pour tout le monde. Vous avez dit dans la salle que depuis 2016, pratiquement, vous démarchez pour avoir ce statut particulier. Où se situe le vrai problème jusque-là? Sincèrement, on ne sait pas où pourrait se situer le problème. Est-ce que c'est un manque de volonté? Nous estimons que c'est un manque de volonté. Nous estimons que c'est un manque de volonté, puisque dans le décret, le président de la République avait instruit au ministre concerné de mener les démarches nécessaires pour que le décret soit appliqué. Merci.